Mais Dogmar! Mais Squalichon! Mais oh! Mais qu'est-ce que tu... me brûlent! Oh! Le soleil, la gloire, l'éternité! Non, il y a la lumière. Attends, bon, moi, le plafonnier, non, mais c'est... Désolé. Comment vas-tu? Mais fort bien, et toi? Enchanté. Bienvenue chez moi. Mais bienvenue merci, dans ma maison. Merci de m'accueillir. Je suis ravi de vous accueillir. Voilà, de vous accueillir avec Rogue Legacy, qui est complètement présent avec nous. Ici. Oula. Oula. Non, ici, ou là. En haut, en bas, à gauche. C'est pas grave, on commence fort, on est parti. Il voilà, il se balade. Il se démerdera, il se démerdera. Je vais le faire se balader. Il va changer de côté. Oula, n'importe quoi. À gauche. Ah bah, vous allez avoir envie de vomir, la vidéo va faire peur. Bon, donc Rogue Legacy, pour ceux qui connaissent pas... ceux qui connaissent, bah on va juste y jouer, ça va être trippant. Hein. Et ceux qui connaissent pas, et bah, c'est un petit jeu. C'est un run and die. Tout à fait. Édité par... Ouais, eux-mêmes. C'est l'Ardor Game. C'est marqué. C'est marqué, voilà. Voilà. Exactement, c'est pratique. All Right Reserve. All Right Reserve. Ça, je crois que c'est pas la marque. Je crois que non, mais c'est un jeu que... indé. C'est un jeu indé. Mais oui. D'accord. Donc c'est pas édité. Donc c'est développé par... Donc c'est développé par C'est l'Ardor Game. Voilà. Inc. Tout à fait. Et donc... Eh ben, c'est cool. C'est un petit jeu sympa. C'est la première fois qu'on le voit. C'est en vidéo, exactement, merci. Applaudissez derrière vos ordinateurs, tout de suite, merci. T'es pas derrière ton ordinateur, enfin, t'es dehors. Oui, mais je suis parti. En même temps, il n'y a pas grand monde derrière l'ordinateur. Bon, bref. C'est vrai. Bref, Rogue Legacy, on va partir, et on attaque. Je suis parti. Hop, et nous voilà en sépia. Et nous voilà en sépia, en couleur... En couleur nostalgie. Oui, tout à fait. Voilà. But I am loyal only to myself and to ourselves. Tout, c'est ça. On se soutient mutuellement. Ah, mais voilà. Que pour notre gueule quand même. Hein. Et donc, nous sommes dans le tuto. Voilà, tuto très basique. Donc vous allez voir qu'on peut ramasser de la thune qui ne sert absolument à rien de ramasser puisque ici on va pas regarder la thune. Ça sert à un poulet qui nous donne. Voilà. C'est un poulet qui nous donne à manger, ça c'est un ennemi, voilà, il va mourir. ça c'est un ennemi. donc ici là c'est comme on vous dit le tuto, hein, très très simple, très très basique, on a des petites choses jolies. Tout est pétable de toute façon, hein. Vous avez des tableaux ça, qui sont méchants. La particularité qui est piégeuse lorsque l'on commence, voilà. C'est que pour descendre une plateforme, il faut sauter. Pas juste faire bas, il faut sauter. C'est il faut chiant. D'abord faire bas et sauter. C'est chiant. Donc, je viens de dire il faut pas d'abord faire bas, mais je veux dire... Non, il faut pas juste faire bas. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut faire bas, et ensuite il faut appuyer sur la touche de saut. Alors, on aurait tendance à juste faire appuyer bas. Sur bas, quoi. Parce que je veux dire, tu traverses une plateforme, bas c'est normal. Fort souvent, on fait ce genre de choses. Voilà, exactement. Au lieu de descendre une plateforme. Donc si vous nous voyez chier comme des gros morts, ça sera typiquement de la faute du développeur du jeu. Non, gros troll. Hein, c'est bien de se trouver des excuses avant même de recommencer. Moi, j'aime bien dans le tuto et tout. On commence fort. J'explique juste. Étonnant, il y a quelques choix de gameplay comme ça qui sont un peu contre les tendancieux. Ouais, et contre les habitudes, je trouve. Ce qui ne fait pas que c'est mal. Ce qui fait que donc là, on va attaquer le roi. Voilà, alors on ne sait pas pourquoi. Voilà, dans le dos en plus. Rogue, tel des rogues. Tel des rogues. On a fait Fufu, Fagot, Sap. Sap et voilà. Sachant que le personnage principal. D'ailleurs, là vous avez le Kikimeter. C'est la petite saloperie. Voilà, vous pouvez regarder combien on fait de dégâts avec. Ah, t'as vu, il y a marqué au niveau du nom du mob. Why you do this? Nice try. Stop it. Stop it! Try and damage! Stop it! Try again! Et tu le vois bouger, tu vois ses lèvres bouger, genre. Genre il prend cher pour de vrai, le salaud. Et donc là, on est dans l'upgrade en gros. En gros c'est l'upgrade, on va appeler ça notre château qui va nous permettre d'avoir de nouvelles classes, de nouveaux matériaux, de nouveaux cœurs, plein de nouveautés en fait. Et donc on va vous montrer un petit peu le début du jeu, ensuite on va aller sur notre partie où on a déjà commencé pour se retrouver sur un niveau qui devient intéressant. Parce que là effectivement on a 100 PV, 100 mana, donc c'est vrai que ça prend énormément de temps. Puisque c'est un die and retry comme on l'a déjà dit, vous pouvez lire le journal en même temps qu'on ne traduira pas. Voilà. C'est un die and retry et donc vous devez accumuler un maximum d'or sur chacun de vos trails pour pouvoir vous acheter des améliorations qui vous permettront d'être plus puissant sur le trail d'après. Pour tout à fait arriver à la fin à finir le jeu. Et donc actuellement vous voyez la minimap où vous avez le castle, c'est la première partie, on va se balader en première partie de vidéo.
Après, en haut, vous avez le tower, en bas, vous avez le dungeon, et à droite, la forêt. Pour l'instant, on n'a pas été plus loin que la forêt. Ça, c'est un bon début. Oh mon dieu. Ta tête doit être épique, c'est génial. Donc, comme vous pouvez le voir, on a un pouvoir. D'accord. C'est les petits couteaux qu'on voit 10 MP, et là, on se tape un boss en début, en fait. Voilà. Non, là, il est heal à chaque fois qu'on passe la plateforme. Injouable. Injouable. Allez, t'es mauvais, Squall, t'es mauvais, assume. Voilà, donc il a tué un mini-boss, c'est quand même pas mal parce que... Ouais, il a pas beaucoup de mais vas-y, t'es niveau 1, t'as rien. J'ai un peu surestimé quand même. Je pense qu'ils sont moins vénères que... quand même. Donc ça, on peut pas atteindre le coffre, on aura une capacité en le débloquant, justement, qui nous permettra... OK. Non. Allez, t'es toujours les petites plateformes qui sont magnifiques. Alors, ces plateformes. Non, ah non, mais c'est pas mal, hein. Tu commences bien là, t'as un bon donjon. Donc, le donjon est aléatoire. Il pop n'importe comment, voilà. Et entre autres, là, on est pop avec deux boss dans les deux premières salles. En plus, t'es nul. Et donc, les petites plateformes. Les petites plateformes qu'on a vues qui étaient les petites boules vertes, on va y retourner, je vous en parlerai quand on sera dessus. Les tableaux aussi, ça fait peur. Ah, c'est si, on va y retourner un jour de toute façon. Les tableaux, ça fait peur maintenant parce qu'en fait, le tableau, il y a des tableaux cachés. C'est des tableaux méchants. Et donc, du coup, il faut taper tous les tableaux. C'est des salauds, les tableaux. Fléchette. T'as ta fléchette sinon. Ça va aller. T'as failli te prendre l'eau, ça fait peur. Je me demande si tu peux pas passer en dessous. Mais... tu veux pas la tenter. Ah cool. Voilà. Direct. Donc directement, on... voilà. On a débloqué une pièce d'armure, en l'occurrence, une breastplate. Non, c'est un buste, exactement, un bustier d'armure. Voilà, la petite plateforme sur laquelle il faut taper avant de pouvoir atterrir, sachant qu'elle dure 3 secondes. Et alors, c'est complètement infâme. Tiens, tu vois, tu me parlais. Des petites subtilités, quelles sont-elles? Oui. Et ben, ça par exemple. Oh, fuck you, bitch. Il a avancé. Ça par exemple, le coup du coup vers le bas, il le fait pas longtemps. Ouais, et c'est dur à prendre. Et donc il faut faut faire bon l'attaque. C'est, vous avez le timer, proche quoi, de c'est la... ça. Si tu veux, si je le fais trop haut, ça va pas tilter et on va prendre les dégâts et les 10 derniers dégâts, donc il va mourir et il va pouvoir les dépenser. C'est 90 d'or. Ça va vite en plus. Mais t'es sérieux? Mais c'est ils sont hardcore, hein, c'est trop. Mais je peux trop pas passer là, c'est mort. C'est ouf. Il est tout long. Hein. Non, ça le fait. Ça le fait. Faut que tu cours et que tu sautes. Tu peux sauter pour l'esquiver. Tu peux sauter. T'es mauvais, c'est tout. C'est pas le champ, mais pas le mauvais. Je vais me faire. Je crois en toi. Allez, go. Vas-y. Et foi. Crois en Dieu. Amen. Femme de lien. Voilà la famille. Allez, go. Voilà, saute, voilà, saute. Ça passe. Ça passe facile. Ah, tranquille, t'es mauvais. Là, ça passe peut-être moins déjà. Peut-être moins. Voilà, c'est bien, 120 d'or. Ouais, tchut. Ouh, bah, deuxième. Voilà. Ça, c'est bon, ça. Voilà. Toujours avec du PV. Voilà, c'est un tableau de merde, ça. Vous l'avez vu bouger le tableau de merde, là? Voilà, ça donne ça. Et si vous le voyez pas et que vous passez dessus, il vous défonce au passage. Allez, sangle, je sais pas. Chips, take no damage. What? Mais quoi? Je pense qu'il faut un triple dash ou un quadruple dash. Tu vois le concept? Genre tu dash, yes, tu dash, tu dash. Vu qu'il y a un dash par item. Oh, c'est beau ça. Un petit boss dès le début. Si, celui-là est faisable. Faisable, pas de facile. Attention aussi. Bien le jauger hein. Ici c'est 3, enfin, t'as déjà pris ton dommage, redescends, t'as pris ton dommage. Et donc là en haut il y avait un coffre en fait, c'est un truc un peu un coffre bonus où vous avez des petites épreuves à passer comme ça, techno damage, une salle avec 3 mobs et faut pas les toucher pour réussir à avoir le coffre, plein de petites choses comme ça. Donc là c'est des petits lance-roquettes à la Mario. Ça va, tu gères. Ouais, tu non gères. Mais deux coups. Bah oui, bah on a commencé au début. Hein. Oui, tout à fait. Parce que nous on a amélioré les dommages, maintenant les one-shots c'est cochonnerie. Ça va plus vite. C'est mieux. Oh. C'est pas grave. Oh, c'est...
pas 10 d'or, t'as 430 pour une première partie, c'est pas mal. Faut sauter au milieu et re-sauter directement de l'autre côté. Saute. Ici, tranquille. T'as récupéré des HP, t'es à 11 HP par contre. Ah ouais, donc j'étais à... Ah, t'es loin quand même. Ah maintenant, bah continue, c'est voilà. Ah mais c'est là où je suis. Exactement. Donc attends, bah, en fait, là on change de zone en fait. Voilà. À ces niveaux-là en fait, là où vous avez des TP, vous changez de zone. Et malheureusement là on n'est pas le niveau du tout pour changer de zone. Je veux dire, même sur notre autre partie où on est niveau 43, on est loin de pouvoir changer de zone. Oh, on peut tenter la zone. On peut commencer à tenter, mais c'est quand même vachement plus violent que le château. On se dit pour l'instant on farme un peu le château, c'est bien. Ouais. Quand on finit le château complètement, si on arrive à le finir, on commence à dire faut aller dans la jungle. Mais voilà, moi je conseille de finir complètement le château avant de partir vers la jungle. Non ça va, il y a bien de quoi faire déjà. Il y a un double là, il y en a un qui arrive d'en bas. On va faire un peu ping-pong. Voilà. Voilà. Le petit chandelier caché. C'est quoi, il aime bien les chandeliers? Non, je les aime pas, c'est ça. Ouais, mais tu les aimes bien parce que t'es bizarre. Tu vas faire quoi là-bas? Ah ouais, c'est la deuxième fois, que j'ai spoté, c'est la deuxième fois que je fais ça. C'est bizarre. Hein. Ah, donc ça c'est partie des petits bonus que vous allez avoir tout au long de la partie quand vous rentrez dans certaines pièces ou des choses spéciales. Et là vous devez aller avec un des futurs pouvoirs d'ailleurs, qu'on va débloquer au fur et à mesure avec différents personnages. Ah, c'est un autre truc. Et vous devez hit the target en fait. Et t'as tes couteaux là. Ah, elle fait quoi, putain, là, elle est mouvante. Bien joué. Merde. Oh. Bien joué. C'est chaud. Ça donne de l'or donc. Et en plus, si vous arrivez à faire un maximum de cibles, vous allez avoir des bonus. Ah, c'est tendu. Avec un prix. Non, mais je suis nul, je fais n'importe quoi. Voilà. 30 gold. Ok. Bien joué. Dernier coup. Voilà. Bien joué. Bon. Donc on a gagné pas mal de gold au final, mais... Voilà, mais donc du coup on a gagné pas mal de thunes pour l'instant, mais on n'a pas gagné de bonus parce que vous pouvez gagner un prix qu'on n'a pas encore gagné d'ailleurs, même dans l'autre partie. On avait des petites choses spéciales, non, on n'avait pas ce mini-jeu. Il y a pas mal de mini-jeux. One shot, hein, je veux dire, ça ne peut pas être montré. Hein. Voir de loin, quoi. C'est, hein. comme les boulders, mes meilleurs amis, les boulders. Non? Non. Vous l'avez vu la petite mitraillette rouge là? Voilà, donc on n'ira pas par là, c'est décidé déjà. On a... Oh putain! Voilà. Vous êtes passé. Donc voilà, donc vous avez une toute une dynastie en fait de personnages oui, qui vont mourir de telle date à telle date. Voilà, donc voilà, tu fais start. Et on retourne dans la partie, et là on a son descendant. Donc on a commencé avec Jonae. Non, ça c'est le... Ça doit être l'assassin, je sais pas. Ça doit être l'assassin en tout cas, ou le Legendary Knight, d'accord. Donc ça doit être celui qu'on a joué dans le tutoriel. Ouais, qui a donc tué le roi. Du coup, après notre premier personnage, et là on va choisir notre deuxième personnage. On va jouer entre trois personnages à chaque fois. Vous avez les choses à voir. Donc vous avez la classe, déjà. Donc là on est sur Barbarian, The Knave et The Knight. Donc le chevalier. The Knave, c'est quoi? Je sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. Le risky donc, d'accord. Critique, full critique, par contre, vous avez un peu moins de PV, je pense, un peu moins de dégâts, ce genre de choses, c'est possible. Ensuite, le trait. Les traits, en l'occurrence, elle n'en a pas. Voilà, là, n'en a pas. Elle est gay. Voilà, elle aime les femmes. Donc, des traits qui peuvent elle être ne peut utiles ou inutiles, gays ou ne servir à rien, ou être même d'ailleurs des défauts. Peut-être qu'il y a des PNJ meufs qu'on rencontre. Qui nous donnent ça coûte moins d'argent pour acheter chez PNJ Nana ou un truc comme ça, tu penses? Je ne sais pas. Ça peut être effectivement ça pourrait être ça. Faudrait vérifier. Faut voir parce qu'il y a des trucs qui peuvent paraître cons et qui en fait ont un impact. Et là on est nain. Limité, mais donc nain plus petit, un peu moins de PV, une moins courte. Plus courte range. Par contre, vous pouvez rentrer dans des petits passages secrets pour prendre des coffres. Ah, vas-y, je m'affale un peu. En plus, vous avez après le pouvoir à prendre en compte, le spell. Donc là, entre autres, le chakram. Le chakram. Ouais, le chakram. Ici, téléporte sur votre shadow. Donc vous posez votre shadow et quand vous rappuyez, ça vous téléporte là où vous avez posé votre shadow. Et là-haut, c'est Les couteaux. Les couteaux. Comme le premier dans le mini-jeu, etc. De toute façon, c'est toi, ma foi. C'est moi. C'est à toi. Exactement. Et tu sais quoi? Ouais. Voilà.
Voilà. Ça vous regarde pas. Ça vous regarde pas. Oh. Hop. Ça suffit maintenant. Alors là, plein de thunes. Clac. Voilà. Le forgeron. Voilà, la base. Voilà, tranquille. Bon, on peut faire des trucs. Hein, voilà, on s'en branle. Là, pour augmenter les HP. Là, pour augmenter la mana. Donc, on va augmenter une fois les HP. Forcément, pour débloquer la suite. Voilà, upgrade Knight. 70 de gold pour avoir un meilleur chevalier. Voilà, donc on peut avoir un bouclier. C'est une nouvelle classe qui a un bouclier, effectivement, et ce bouclier nous permet de bloquer une attaque en perdant DMP. Du mana. Ouais, contre DMP. C'est ça, contre DMP. Ça coûte donc un peu cher quand même. Je me trompe toujours de touche, hein. C'est très très chiant. Ouais, ouais, alors ça c'est bizarre, on est... Sur manette de PS3. Remarque, ouais, remarque, le bind n'était pas le même sur la manette de Xbox. Non, c'est ça. Donc du coup, c'est pour ça. Encore pire. Enchantress ou architecte. Ouais, mais encore pire pour le jeu, mais ça devait être bon pour nous. Architecte, on s'en fiche à la limite pour l'instant. Architecte, on s'en carre les miches. Bien que ça débloque des classes de mage, hein, par là-bas. Ouais, donc en fait, on s'en carre pas les miches. Là, on a quoi? Magic Damage Up, Upgrade Mage. 350, on a pas assez de sous. 150, ouais, bof. Et de la mana et de la vie. De la vie, 140, c'est pas mal. 100 et 140, on peut faire les deux. Attends, regarde ce que... Ah, ça débloquera? Ah, ça débloquera, ok. Bah, vas-y, de la vie. Voilà. Et ça, ça augmente le poids qu'on peut porter sur nous. Et les armures, mieux elles sont, plus épaisses lourdes. Donc voilà, le forgeron qui est apparu. Vous avez vu, j'ai disparu sur la map. Ouais. Parce que je ne peux pas voir en 3D, en fait. Donc mon héros et les ennemis, quand on se quand retourne... Quand ils tournent, ils voient pas. Voilà. Et les ennemis et tout, enfin voilà. Tout. Voilà, donc il dit du caca et il nous propose effectivement d'acheter des choses. On a que dalle de thunes. Du coup. C'est cool. C'est très bien. Nous gérons très bien cette partie. Voilà. Et donc le but, elle, c'est pareil, elle a des spells. Voilà, en fait, je vais vous montrer. Vous avez un item par case. Donc vous avez l'épée, le casque, l'armure, les brassards et la cape. Sur chacun de ces items, vous avez la possibilité de mettre une rune. Donc là, en l'occurrence, par exemple, une rune de dash. Une rune de... Yes. Là, on a une rune de Volt, Jump in the Air. Attends, mais c'est... Non, mais c'est... Ah, on, okay, en a chopé, ouais. On a chopé. Je pense que le dash, il doit être gratuit et il y en a une qu'on a chopé. Ok, bon, bah, c'est cool. Le dash, on a du bol. Ouais, ça va. Et donc, ça permet d'avoir des bonus. Vous avez le droit à une rune, en fait, par équipement, qui vous donne un bonus. Donc, vous pouvez mettre 5 dash ou 5 sauts, ou mettre un saut et des dash, et... ou mettre... Pas fumer, là. C'est mal. Mm. Tabac, ouais, c'est le mal. C'est vrai. C'est dit, c'est fait. T'as marqué Philippe Maurice là, du coup on est obligé de citer Kamel et Lucky Strike. Pas. Non, pas. Je suis sûr qu'ils l'ont vu. Donc je suis concentré, je vais jouer, je compte sur toi. Je compte. Ah, attention, le tableau. C'est chaud. Boulder, mon meilleur ami. Ah, j'ai une tendance à l'exagération, je crois. Non. Oh, c'est trop sale. J'ai pris ma sauce dès le début. Je suis dans une grande salle. Une grande salle vide, d'ailleurs. Oh, non, des pics. J'avais même pas bité. C'est horrible. Oh. Eh, ils sont vénères. Hein. Moi, je te dis, là. J'ai fait ça. C'est pas aussi violent au dès le début. Plus gentil. Après c'est une question de chat vu que c'est général aléatoirement. Voilà. Voilà, donc là j'ai fait à peu près 0 sous. Ça fait 0 sous bien ouais. À peu près hein. Mimimati va pas être content. Voilà, donc ça a été une partie très courte. Elle a vécu donc on a un nouveau pouvoir ici, c'est des petites boules qui rebondissent avec un paladin qui a du coup le bouclier, le dwarfisme. Nain et chaud. Et chaud. Il a une barbe. Sinon je ne suis pas nain, mais je suis chauve. Enfin je ne suis pas chaud. T'es pas vraiment chaud mais... Donc ici on a quelqu'un qui ralentit le temps en mage. Voilà, tu peux inverser TMP et THP. Ouais. Et là, ouais, c'est un mage avec un truc un peu pété, donc ça va être celui-là, je pense. C'est toi, hein, de toute façon, qui va... Non, qui... vas-y, je fais un petit cours. On va faire ça. J'ai 60. On peut absolument rien faire avec 60, hein. On peut que dalle faire ? Que dalle faire ? On peut que dalle faire ? Non, on peut que dalle faire.
On peut que d'elle faire. Et ça, non, ça coûte. Non, c'est très cher, ça. C'est même plus cher que les premières armures, il me semble. Et donc, Caron qui nous charme. Je sais pas, la saloperie qu'il y a devant, là. Il nous pique toute la thune. Il nous pine aux mailles à chaque fois qu'on rentre dans le donjon. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut faire un minimum. Pour la simple et bonne raison que nous sommes morts. Et que donc, on doit payer la mort. Parce que Charon, c'est fini. C'est Charon. Bref, on s'en fout. C'est celui qui fait le... Il dit peut-être de la merde aussi. Comment s'appelle le mec sur le bateau, sur le stick, si c'est ça. Voilà, c'est ça le pouvoir. J'ai un. Je sais plus parler non plus. Tu es un trou. Oh, oh. Tiens, tu vois, c'est pour ça que je te disais que le pouvoir il peut être un peu chiant. C'est dans ces cas-là. Je vais te remettre un tableau de l'autre bout de la map que t'as pas vu. Si what you mean. This is a fucking fucking painting. Oh voilà. Ça se fait. Tu moi je suis un tank moi. T'as quoi là comme classe d'ailleurs, j'ai pas testé. Paladin. Ah mais oui, j'ai pas compliqué. Je sais pas, il y a le barbare. Paladin nain. C'est dur quand même. Ouais non mais oui c'est vrai. Bon, deux parties courtes, à toi. Allez, c'est parti. Sur Gouda, je fume le fromage. C'est toi le Gouda.